donc on passe à autre chose. Je ne suis pas un traîneur, mais la détection c'est autre chose. C'est très difficile à jouer. Mais tout le monde a une qualité de. Parmi vous tous, tout le monde a une qualité. La qualité, c'est ça que tu vas exercer. En jouant, il ne faut pas regarder les gens. Tu fais ton propre football. Soyez simple. C'est-à-dire, avant que le ballon vienne, tu sais déjà là où tu veux amener. Mais ne dis pas, quand le ballon est là, tu vas contrôler, tu es là à dire, bon, à qui je vais donner ça, il n'y a pas ça dans le football. Le football, c'est quoi? Dès que la réception du ballon, dès que ça vient, c'est à ce moment tu vas calculer pour donner à une autre personne. Ici, comment on va jouer? Passe et démarquage. Ne dis pas que bon, le public est là, c'est moi le maire du blair, c'est moi qui va faire tout. Non, il n'y a pas ça. Il faut jouer, il faut faire le football ensemble. Est-ce que vous écoutez? Hein? Ne soyez pas agressif, ne dis pas que bon, je vais jouer comme ça, et si je vais faire ça, on va me prendre. Non, ce n'est pas ça. Ici, comment vous allez jouer? Passe et démarquage, ne vous arrêtez pas. Parlez entre vous. Ne faites pas comme si vous êtes au marché. Tout le monde dit, oh, il n'y a pas ça. Vous faites le football simple. Si tu as la qualité, si tu as la vitesse, c'est ça que tu vas faire. Si c'est la passe, c'est ça que tu vas y faire. Parce que le football, il faut avoir une qualité à toi-même. La qualité là, c'est à ce moment où on peut te prendre. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Quand vous êtes sur le terrain, ne regardez pas le public. Ça dit, faites comme vous êtes à l'entraînement. Ne soyez pas surpris sur le terrain, parce qu'une fois que vous allez regarder le public, ça va vous donner un poids. Donc abandonnez le public, faites votre jouet. C'est-à-dire, soyez simple. Ce que vous avez appris aux entraînements, c'est ça que vous allez appliquer. On ne veut pas quelqu'un s'ajoute. On ne s'ajoute pas. Hein. Il faut faire le football simple. Comprenez? Après, ce que vous avez appris antécédent par rapport et mettre ça en application maintenant, je sais que vous avez un
sont beaucoup de réussites, sont beaucoup de merveilles. Preuve pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a donné la dernière première réussite? Donc, il nous a dit que c'est le cas. Maintenant, la fête a perdu. Les consignes données doivent être respectées strictes. Écoutez, les consignes données de l'entrepreneur ne seront pas là. Mais ça doit être respecté strict. Il n'y a pas de proportionnel parmi vous. Vous avez le même niveau. Celui qui sait qu'il est proportionnel, il fait partie de la même. Et ici, vous avez le même niveau. Jouer en équipe, vous comprenez la précision, l'engagement. Mais qu'est-ce qui fait perdre l'équipe ici? De plus, c'est pour le coach. Vous rentrez en haut, quand il y a des adversaires, c'est comme le combat. Vous venez ensemble, les consignes données. Parce que nous, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur chez nous. Non, c'est la négligence. Je dis que non, j'ai été négligent. Parce que c'est qu'on te donne, c'est à respecter. Minimum.
C'est là, il faut l'appuyer. On a boire. Allez, on a bien. Je parle de Tani Seyak et Pascal Pedio, une manière de dire l'ambition à laquelle ils ont poussé ces deux internationales de faire cette initiative qui mérite d'être saluée à plusieurs titres. En tout cas, merci Tani Seyak et Pascal Pedio, et merci François qu'on appelle Coca-Cola, qui nous accompagne toutes les activités sportives ici à Calo, à cette deuxième édition. On a perçu son ami d'enfant qu'on appelle Babel, malgré son emploi du temps à chaque il a décidé de pouvoir accompagner son ami dans ses camisettes. C'est qu'il continue l'humanité de devoir rester stand-by. Il est là, il est venu accompagner son frère, son ami de longue date. Merci, l'amitié, c'est ça. On va non seulement parler de l'importance de cette deuxième édition pour moi. Donc, bien de voir qu'elle peut être invitée, mais voir cette initiative, en tout cas, ce n'arrive pas plus souvent. Et quand c'est là, il faut profiter d'en saisir pour accompagner les visiteurs, pour qu'après soit continué avec les messieurs qui accompagnent un peu partout les différents visiteurs qui sont venus détecter nos talents. En Guinée, pourquoi pas en dehors de la Guinée, parce que nous avons 12 acteurs pour cette fraternité entre la Guinée et le Sénégal. Comme on aime dit que ce sont les deux pour moi des mêmes fois, la Guinée-Sénégal, la Guinée-Mali, la Guinée-Côte d'Ivoire, la Guinée-Sierra Leone, c'est les pays bas qui jouent en ce moment devant la promotion de Gekawal, de notre doyen, M. Paul Apouka, qui nous a laissé des belles souvenirs lors de la première émission l'année passée ici au ministère de la mission de Calo avec le doyen Faïs Soussangia accompagné par notre confrère de la radio 77FM de parler de Moumassis Média en plastique média RPG Football Factory représenté par le jeune qui était tout récemment du côté d'Alexandrie. Oui, Mike qui a sur Facebook, oui, actuellement avec les Dimantipales, c'est joué. Mon ami, chef Kouma, ils sont tous là, mais en tout cas, nous interpellons l'autorité guinéenne qui accompagne ces initiatives qui a servi de l'émission. En tout cas, je crois bien que le message va tomber dans les bons journées parce que nous ne sommes pas loin dans l'ancêtre de la fédération guinéenne de football. Ils nous écoutent en ce moment dans l'ambiance. On va voir pour qui ce prix va repartir par Frontal le 10 qui est à Andra. Deux maillots jaunes à tout dire. Voilà, bonsoir à tout le monde et merci de nous donner cette opportunité de m'exprimer devant
ce parterre de personnes et de locuteurs. Bien sûr, c'est bien vrai, ce but, il est très beau parce que le jeune ne s'est pas posé à cette question. Il a juste catapulté la balle au but marqué à la 4e minute par le 2-7 du côté de Saboufal qui a bien allumé ce ballon. Ce ballon qui était parti mourir au point du filet pour le moment. L'équipe de Saboufal qui tient bon. Merci à son 2-7 numéro 11 qui va dans cette deuxième édition. L'équipe de l'Ascalon qui a fait, qui a dicté sa loi devant l'académie qu'on appelle football de Bamako. 1-0, but marqué à la 10e minute pour le coup qui a été transformé par le jeune qu'on appelle Aboubakar Sidi qui tourne. Le score final était 5 buts partout, 3e épisode, on vient d'assister le but le plus rapide dans cette finale de détection marquée par le 11 du côté de Saboufal. En tout cas, la partie commence à avoir de l'ampleur dans cette première explication. L'équipe de Saboufal qui joue dans cette première explication va avoir le 10 qui va téléphoner pour prendre le 8 qui va loucher sa balle. La balle qui est contrée par là, le défenseur du côté de Dekawal. On va voir le message numéro 17 du côté de Saboufal. J'ai mes connaissances tout à fait ce matin. Devant cette équipe de Saboufal, le capitaine le 5 qui va laisser le feu à son défenseur qui va renvoyer ce ballon. Contre-attaque à manger. Et pas aujourd'hui, on va voir le capitaine de Dekawal. Dekawal entre à deux maillots blancs, non. Là, je ne te dis rien. On va voir, on joue pas, on va. La balle équipée est partie. Encore le 17 qui a mal négocié ce ballon. Et le tacle a bien parti du côté de Dekawal, le 13 pour écarter les dangers. Dans cette rencontre, l'équipe de Saboufal, qui en tout cas maîtrise leur filière dans cette première explication, une domination totale dans le cadre de Dekawal. Deuxième aventure de Camille Zantepaska Fenino, une manière d'accompagner le football africain. Il ne s'est pas limité en Guinée, il a fait venir des autres pays, l'Académie de Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal. Merci Camidat, merci Pascal Benino et toute l'équipe de Camidat, sans oublier son ami Babel et son frère. Ils sont tous là derrière Camidat pour la réussite de cette deuxième aventure, de cette deuxième épisode, de cette deuxième chance, de cette deuxième émission. On se limite, sinon on aurait pu avoir tous les mots pour acquérir cette deuxième édition avec la présence de notre international guinéen, Mamadi Kabagien, qui s'est accompagné par le jeune qu'on appelle Kilawoko Yali Yali, récemment du côté de Alexandrie pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mamadi Kabagien, l'homme qui a deux Coupes d'Afrique des Nations, un Coupe du Monde, qui a joué en 2007 avec la France sportive de la Côte d'Avril de Guinée du côté de l'Inde. On m'a dit qu'il a joué la Coupe d'Afrique des Nations en 2004. En 2006, l'homme a tout fait. Il a d'ailleurs une image pour le football guinéen. C'est ça aussi la valeur d'un homme. Il faut se poser la question, qu'est-ce que je vais faire pour mon pays? Au lieu de te demander qu'est-ce que mon pays va faire pour moi. C'est ça aussi, l'esprit des Guinéens doit mettre en tête. Pour en tout cas, invite à la soirée de manière. Camille Zaz, comme il le fait, il organise. Mais en tout cas, il fait les choses très amateurs ici pour mettre la fête en beauté. Il prend des choses pour ça, le terrain en beauté, pour rendre le terrain joli, pour que les athlètes puissent s'exprimer très bien. Les deux équipes de Saboufal et Dekawal du Dakar. Nous jouons dans cette première explication de cette troisième épisode, troisième rencontre entre Dekawal et Saboufal. Devant les différents recruteurs qui sont venus un peu partout, je vais parler de M. Armand Jean-Luc de Saint-Rélin et je vais parler de M. Waxi Kelo, agent sportif, et sans oublier M. Arifé Mayen, l'ancien joueur de Crétin, qui sont tous venus. Bouba, Filan de Diakité, lui aussi, il a fait sa présence pour accompagner son académie qu'on appelle Diplot, coaché par le Sénégalo-Guinéen, Aboubakar Diop, le plus jeune manager, Samuel Eto'o. Oui, l'homme a tout fait,
la confiance de Nabi de Koketa, la confiance de Senoua Souma Fonkolé, l'homme réalisé, un homme que j'ai connu lors du mariage qu'on appelle mon voyage de Kamala du côté du plage à diamant. Il est tout dévoué avec ses mains humaines, il accompagne les différents. Besoin de l'un des sa disponibilité, il accompagne tout le monde. Merci pour ce qu'il fait, pour son grand frère Samuel Eto et Camille Z, Pascal Fanino, tous pour la reçu de cette la deuxième édition. On va voir pour qui, pour cette équipe de Gigawa, avec le capitaine qui va faire la balle. 1-0 dans cette première période. Troisième rencontre, Gigawa. Saboufa qui joue en maillot pour uniforme blanc, l'équipe de Gigawa du Sénégal qui joue en maillot pour uniforme jaune bleu, maillot pour la jaune, apparemment pas jaune. Il dit que c'est l'Afrique qui gagne, c'est toute une continent qui se retrouve là dans cette deuxième édition de tournoi de détection organisé par les deux internationales guinéennes. Derrière une équipe pour la reçue de cette deuxième expérience. En tout cas, Bayo, il est journaliste sportif, animateur culturel, beaucoup de casquettes pour ce jeune joueur, pour ce jeune journaliste qu'on appelle Bayo. En tout cas, il va non seulement connaître ce jour qu'on est en train de vivre en ce moment ici au ministère de Roma, au stade de la mission, le stade de la mission de RGT, bien parti, bien fait, baptisé, décoré par le jeune président, le président Boadine Assambi. Quatre défaites, l'Ascalo qui a fini 6e du championnat. On va voir l'équipe du Gigawa qui va profiter de tout ce qui va être rapidement parti. Pour qui? Pour l'équipe de Saboufak. Première explication, l'équipe de Saboufak qui mène la France de 1 bout à 0. Bayo, la rencontre semble être beau parce qu'on est en train de voir ce peuple qui domine le débat. En tout cas, vous allez apporter quelque chose dans cette rencontre. Bonsoir au courant. Ce qui se passe en ce moment ici au stade de la mission de Calo sous l'égide de M. Mohamed Matamala, la confiance du jeune président de Plaxia KPC, qu'on appelle actuellement Mike, oui et Mike, avec ses images, qui n'arrête pas de nous emmerder. Merci sur les réseaux sociaux. Bayo, le journaliste sportif, dans cette deuxième édition. Dans un pays où l'État n'a pas une vraie politique sur le sport, donc essayer d'organiser ces genres de tournois pour que ces jeunes joueurs qui seront plus tard recrutés par des agents puissent valablement exprimer leur talent. Pour moi, c'est bien important. On a beaucoup dit ici qu'on n'a pas d'infrastructure sportive, mais lorsque vous êtes de l'autre côté, lorsque vous êtes même pas en Europe, dans un pays en tout cas africain beaucoup plus développé que le nôtre, on peut valablement exprimer nos talents. Maintenant, parlant de la philosophie quand même de cette rencontre, moi je vois pas bien cette équipe de Gigawa du Sénégal, parce que les Guinéens sont partout ici partout dans les compartiments du terrain, je vais vous esquiver. Pour moi, ils sont physiquement, tactiquement et techniquement battus, ces Sénégalais. On ne retrouve pas encore ce talent sénégalais qu'on connaît depuis très longtemps. Pour moi, le coach doit encore remobiliser la troupe et voir ce qu'il faut faire pour la suite. Et ce qu'il veut faire pour la suite, en tout cas, de voir ses copies. En tout cas, cette équipe de Gigawa du Sénégal, l'année prochaine, qui avait une très belle formation en faveur du Gigawa du Sénégal. Nous assistons à l'arrivée de l'équipe de Guyana du Sénégal, toute une famille de l'Afrique qui gagne, l'initiative qui mérite d'être saluée. En tout cas, chaque fois, moi je prends le micro, je commence pour dire merci combien de fois, Camille et Pascal Perillo, une deuxième aventure, deuxième épisode, deuxième tâche, deuxième édition, deuxième combat pour deux internationaux guinéens, Camille et Pascal Perillo.
Et ça, je voulais le plus jeune de Managa, Samuel Eto'o. En tout cas, l'homme a tout fait pour la reçue de cette deuxième édition. On va revenir dans leur match, l'essentiel, c'est le principe. Franchement, déjà, du côté de l'équipe de Kekewal, on ne le connaît pas. Ce matin, oui, vous avez bien dit, que ce maillot, Kekewal, qu'on connaît à l'époque, qui est venu lors de la première édition. De la part du ministre central, en tout cas qui n'a pas donné quelque chose de gratuit pour l'action du joueur du Kekewal. Elle demande de se calmer, c'est un tournoi de détection, voir les différents talents un peu partout. On va voir pendant ce temps l'équipe de Sabou Fox, le défenseur qui va renvoyer Papou Manta avec le buteur de honte, qui va essayer de voler en solo. Qu'est-ce qu'il va faire? Passement des jambes. Et parce qu'on va y voir. Qu'est-ce que le frère sont passés les manqués? On joue dans le cadre de Kekewal. Kekewal du Dakar, Binom, qui va aller partir. Qu'est-ce qu'il va faire? L'équipe de Kekewal, le 8, le capitaine qui va équiper la balle, qui va essayer de servir Binom. Le capitaine de Sabou Fox qui s'impose. Il va commettre une faute profitable pour cette équipe de Kekewal du Dakar. L'équipe de Kekewal. Nous assistons à cette deuxième édition du tournoi de détection organisé par son petit frère et son ami qu'on appelle Pascal Benino, une des grands frères auxquels il nous vient depuis la Caisse nationale. Ah oui, c'est ça aussi la reçue de cette deuxième édition, une manière d'accompagner cette initiative. En tout cas, on va voir l'équipe de Sabou Fox qui va essayer de s'imposer. Dans cette deuxième édition, nous allons non seulement rester dans le match pour parler de cette première période, première explication entre ces deux formations, l'équipe de Sabou Fox de Conakry, précisément Guinée-Conakry, qui mène devant la promotion de Kekewal du Dakar. C'est le gars qui va en tout cas un peu parler de cette deuxième. Merci mon confrère Monsieur Foumbassa. Comme vous venez de le dire, la presse est une famille. Et je voudrais vous dire et parler un peu de Monsieur Docteur Chaleba, que je connais profondément. C'est un homme qui est à la disposition de la jeunesse. Il est le premier responsable de l'hôpital de la Caisse nationale au nom de son directeur général, M. Malik Senko. C'est l'homme qui apporte tout son soutien aux jeunes footballeurs de Guinée. D'abord, il est là en tant que médecin sportif de Roléa, athlétique, acteur de soirée. Parce que tous les jeunes de Roléa font leur visite là-bas. On n'a pas besoin d'aller actuellement à Maroc pour faire des visites. Car la caisse nationale est gauche des grands médecins de ce pays. Le premier médecin qualifié de ce pays est le jeune frère de Camille Zahel, qui n'a rien d'autre que Dr Chalot. Donc s'il est là aujourd'hui, je m'en vais lui dire grand bonsoir à M. Dr Chalot. Je connais pourquoi je dis Dr Chalot, parce que j'ai le dossier en main depuis la Caisse nationale de la sécurité sociale. Au nom de M. le directeur général, M. Malik Senko, il est là, il nous suit de près. En termes de maladie, il répond présent. Il a dit qu'il a besoin de la jeunesse. C'est l'homme à tout faire. Donc il faut les qualifier de cette manière. Et dire grand bonsoir à M. le président de Pro-Guinée. Et saluer l'initiative de Camille Zahed et Pascal Tendulo. C'est dans l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. Nous voulons que ça continue comme ça et que les conditions de vie des jeunes guinéens soient améliorées dans les conditions les meilleures. C'est ça le soin du public sportif guinéen. En tout cas, le public tient beaucoup aujourd'hui qu'on prend exemple sur Camille Zahed et Pascal Tendulo pour tout ce qu'il est en train de faire pour la Guinée et pour les jeunes talentueux guinéens. Vraiment, merci à Camille Zahed. Merci Pascal Tendulo. Encore grand bonsoir à M. Dr Chaleur, depuis le premier responsable de la caisse, de l'hôpital de la Caisse nationale, au nom de son directeur général, M. Malik Senko. C'est jeune d'un ton animateur préféré. Je ne chercherai jamais à parler de vous, Docteur Chaloux. Toujours grand bonsoir. Et bonsoir à mon père de jeune depuis le Scadic, le Clopou à Kakité. En tant que président de Prodi, ça fait ça, il faut contribuer.
prier pour l'émancipation de la jeunesse guinéenne. Nous voulons les hommes qui méritent, la même en tant que l'homme. Quand il mérite, il faut lui rendre le plus grand hommage. C'est ce que les trois députés sont en train de faire pour ce pays aujourd'hui. Les Camisaret, les Pascal Mondino, les Akuma aujourd'hui. Donc vraiment, merci à ces jeunes. Merci, merci pour pas ça. Donc je suis là et je dis grand bonsoir à Dr. Chalou, je ne peux pas menacer. Je suis son animateur depuis le casque national de la CPI. Voilà. Et voilà, merci à Tennis pour la Perdora, Souma Baber pour cette supporter la volontie. Il a tout en tout cas résumé à notre docteur le premier responsable depuis la caisse nationale. Oui, actuellement on n'a pas besoin de faire cette visite du côté de la tête de Conakry à travers le nom du président qu'on appelle Frère Poyé, son frère Kali Jayad pour la reçue de cette deuxième édition. Nous sommes là avec les journalistes sportifs qui ne vont pas se donner la face de parler du journal ici au ministère de l'Homme de la Mission pour cette deuxième aventure entre l'Académie de Yekawa du Dakar et Thank you.
allo inato ko quel fait gra gardien na ma asala na roma una kulo di menari bulu ko akim akema ma gra président de club pa ta jouer una kulo jeune président na neki tenek ni moi na radi mu ko wi ala una na sale di academy sabo ako pion wa sele kana ra wonna ra ka di tuna ta akile na neki o wa ma ki academy mo le na mo o wa ma ki ni mo le na mo le le o mo football malima le le o sport malina general on a aidé mal c'est la maille de amour fait fonctionner amour la fonction publique amour la droit faire ana a été faire a c'est dit dans notre toma dans la dit beaucoup oui ana na sagi academy fac de longo mc alko tu dengeke on a dit que pour y être tout les canara alko tu on a mal mani tout les canara on a qui jeune président ana ma gros fait c'est la maille amour de 24 mana oui voilà sinon amour colo ma colo même rien faire la banana voilà c'est dit le tout taouya alu pe sope de to a kele para una ba jeune ta una ba na o ma fende ma se o be o ba lu yi ma gi de te to una na mo mo fe wa ti ta ma una ma na chan jude o lu ta ku una o je ki na to ma ti je ti na ma ge ga wa una o je ki na to ma ti je ga wa ne para Madame, monsieur, on a encore merci de tout ici au ministère de l'homme de la mission pour continuer avant tout la deuxième édition du tournoi de détection initiée par le deuxième international de la misère des postes à faire du nom. On va voir tout ça. La partie à Chani, il y a un jeu du tour de deux. La liaison cet après-midi, l'équipe de Sampa, on va voir. L'équipe de Gégawan du Dakar, de Chanois du côté de Gégawan, le capitaine, le 8 qui va chercher bien, qui va téléphoner pour soi de maintenant, il a dit de demander de retourner la balle ou la faute à ses communes, 2 à 0, 27 à Benango. On va partir, la tête d'un joueur du Gégawan par le joueur, on va voir les têtes. Le portier Foulé qui était là très très vigilant. Il a capté souvent l'entraînement. Sinon c'était une véritable perdant pour cette équipe de Gigawatt. Dans le secteur, la tête montée des jeunes du côté de Gigawatt. Ça va repartir en même temps. L'équipe de Gigawatt, ça vous passe. Le 4 du côté de Gigawatt. L'équipe de Sénégal avec le 18. Le 18 qui va essayer de renvoyer ce ballon. La balle est acceptée par les jeunes du côté du Gégawatt qui va bénéficier d'un coup de arrêté. Le 15 qui va laisser le 5 à son dossier à niveau le 3 qui va renvoyer ce ballon à l'ombre, la tête du défenseur du Samoufak et le 5 qui a été empêché le capitaine dans cette rencontre 2-0 du tournoi de sélection initié par les deux internationaux d'hier. Camisette et Pascal Fenino, cette étiquette, on va essayer de détecter les différents talents ici au milieu au stade. On est leur talent. Spécial initiative, bienvenue au bout de nos deux internationaux guinéens, Pascal Fenino et Camisette. Le 6 qui va s'appuyer sur l'agréable droite, l'agréable gauche du moins, qui va téléphoner pour qui. Un joueur du Gégawatt qui va faire la balle, qu'est-ce qu'il va faire là? La lutte de Dinéa, on va voir du côté du Dakar, le capitaine, le 5 qui n'a pas pu intercepter le ballon, et ce type qui va le porter dans le coquillage. Et le 15 qui promet la balle à touche. 2-0. L'équipe de Samoufa. Et troisième rang, quatrième rencontre, ça sera l'équipe de Prodi, si je m'abuse, face à West Minet, de la Côte d'Ivoire, ou les bilans du Sénégal. L'un et l'autre, on va voir.
contre attaque à monter pour le sein numéro 5 du côté de la carte. Il faut le 6 qui va téléphoner la tête à des joueurs du côté de la carte. C'est Gawan. Faute profitable pour cette équipe. Et le tour qui va changer. Le 5, qu'est-ce qu'il va faire? Qui va renvoyer ce ballon devant. Contre-attaque à moitié pour l'équipe de Samoufak de Nangor. Encore le 15 qui va lutter sa balle. Ah oui, le 5 va bénéficier d'un prix. Le joueur est volé à Young Boy. Le 8, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche le côté de Maquet qui va téléphoner. La balle est intercepté par le 5 numéro 12. Le 17 qui va aller partir. Et ça sera finalement un corner. Un corner à la profitable pour être en même temps par le portier de Nigawan. Le 12 du côté de Samoufak. Le 6, qu'est-ce qu'il va faire? Il va téléphoner pour son 5 numéro 8. Non, il ne passera pas encore à le renvoi de cette formation. Le Samoufak, le niveau d'entrée du côté de Gigawal, le 11, il n'y avait personne, il y avait des chefs tactiques dans cette équipe. Las Berema Foura. Le Gigawal du Dakar, le 15, changer la donne pour qui pour son 5 numéro 10, le 10, le 10, qu'est-ce qu'il va faire? Qui va téléphoner? Le 11 du côté de Samoufak de Nangor qui va renvoyer ce ballon à la tête d'un joueur du côté de Nigawal pour écarter les dangers. Encore le 6. Le 6 qui était là, pas pour l'autre à la balle, va être récupéré. Encore le 6 qui va faire, qui va être le parti. Il a été empêché, oui. Un joueur de Nangor. On va voir l'équipe de Samoufak. Champion avec Liverpool. On va voir, c'est le temps pour nous. En tout cas, une deuxième fois, le 10 du côté de Samoufak qui saute de douleur. Nangor, 2 à 0 pour cette équipe de Samoufak qui a mis à moi les fonds blancs. L'équipe de Nigawal qui va essayer de mettre la balle. Il va téléphoner pour qui? Pour son dessin numéro 21, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'appeler. On va suivre. Ce ballon qui sera négocié par le portier. Ah oui, sur cette action, la lutte va mettre tellement cette rencontre. Troisième rencontre, l'équipe de Samoufak 2, Gigawal 0. On va un peu souffler la musique en attendant la rentrée de ces deux équipes. C'est la Côte d'Ivoire qui va jouer sur ce ministère d'Homme, le stade de la mission de Kalom. Bon. Et témoin de plusieurs éléments sportifs qui se mêlent. Le nom de l'équipe qui avait été. Non, reste là. En tout cas, on va jouer sur la mission de l'équipe. Tu as un bout de papier là-bas. Tu mets un sabot 2, l'autre 0 quoi. Pour l'entête. Il y en a qui a dit ça, c'est bien fait. Allez.
on est là. Hein. Ah, avec voilà. Guisa, on est fort. Ouais. Ouais, très bien, très avec Guisa, on est fort. Oui, allez-y, allez-y, dans là-bas, j'arrive. Prenez ici aussi. Tout un million d'euros d'amour. Ah. Petit go, moi petit go. Ça va le bon enfant. Il est quel peu de nagrin là. Alma million sur le temps, ici 8 millions de l'équipe. Quel boy va. Moi oui. Makan. Ah, et moi, il faut l'enquêter. Makan. Quel est le plus grand? Alpha, là, ici. Moussa, va. Ici, va. Allez. Ça n'a rien d'à la tombe. C'est parti. Hein? C'est pas le moisi en bas de mon info. De la intercalaire. Le ça s'applaudit, vous avez fait ou pas? Voilà.
Félicitations, il paraît que vous avez gagné. Oui, je voulais être là, mais je n'ai pas pu aller. Mais je vous félicite. Vous savez, quand on gagne, c'est toujours récompensé. Hein? Si vous avez bien joué, bon, après, on va voir la prochaine fois et tout ça. Là. Mais là, le fait que vous avez bien joué, c'est ce qui a mérité que vous soyez sur cette table-là. Et puis, sachez que plus que vous gagnez, et vous allez avoir des cadeaux et vous-même, vous allez évoluer. Hein? D'accord ? Encore. Hein? Merci. Merci beaucoup. Au merci. Nom de l'équipe, au nom du président, ouais. Vraiment nous vous remercions. Merci. Et les gars, écoutez, vraiment nous vous remercions pour ce que. Et on applaudit en plus du manger, M. Issa nous a offert 200 euros. Merci. Hein? Ok. Voilà. Et merci beaucoup. Ouais. Ah bah. Merci. Donc, on fait ça. Hein? Merci. Allez. Merci beaucoup. Hein. Allez. Merci. Merci beaucoup. Hey, vous, merci. Merci. Merci, patron. Allez, merci beaucoup. Hein. Très bien. Ok, allez, chef.